Quels sont vos conseils pour bien préparer la dictée? Alors, il faut aborder cette journée avec sérénité. Il faut feuilleter le Larousse et le Robert, si vous les avez. Ensuite, si vous pouvez vous faire dicter quelques textes, ne serait-ce qu'un article de journal, d'une revue, je vous le conseille vivement. Le matin même de l'épreuve, vous vous reposez bien, vous déjeunez bien et vous venez nous voir en toute sérénité. Alors, les fautes les plus courantes, ce sont d'abord les accords des participes passés des verbes nominaux, les accords des adjectifs de couleur et enfin la conjugaison de l'imparfait du subjonctif.